Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des ATC, des défis de Sylvie. Donc aujourd'hui, on va faire le 8 et le 9 parce qu'hier, j'ai fait le 7, j'étais en retard. Donc voilà, on va rattraper tout ça. On va faire le 8 et le 9 en même temps. Donc ma base noire, comme d'habitude. Là, j'ai pris un morceau doré, toujours comme je vous avais montré dans le. D'hier, je crois, c'est un papier autocollant qui vient de chez Action, qui est très vieux. Donc, on va essayer de coller droit. Voilà. Ensuite, j'ai pris un autre morceau comme ça, pareil, qui vient de chez Action. C'était un bloc 30-30 de je sais plus quelle année. Donc on va coller, ça va être des ATC, c'est des ATC simples, hein, c'est vite fait. J'ai sorti, enfin, mon fils m'a aidé à sortir ma caisse de Noël, maintenant il faut que je trie un peu, que je sorte tout. Donc je fais avec ce qu'il y a au-dessus, voilà. Ensuite j'ai imprimé un Père Noël comme ceci sur Pinterest. On va le coller en 3D. D'en mettre à peu près partout. Pas quel temps vous avez chez vous, mais chez moi il pleut, il fait noir. Déjà je ne peux pas trop mes volets parce que j'ai envie de voir personne, donc et dehors il pleut, donc voilà. Bon, j'en ai mis pas mal. Y arriver. Allez, on va décoller tout ça. Hop. Pas terrible ce double face. Pas où je l'avais acheté, mais pouvais pas enlever là, voilà. Bon, je crois que j'ai tout enlevé. Donc on va coller notre Père Noël par ici. Là. Ensuite, j'ai pris un petit mot tamponné Joyeux Noël. Bon, par contre, je vais pas venir le mettre en 3D parce qu'il est vraiment très fin et mon 3D est beaucoup trop épais. Donc, je vais le coller là. Et
Ensuite, j'ai pris des petites étoiles comme ça, dorées. On n'entend parler que de l'électricité aux infos. Hop, et on va en mettre une autre par ici. Voilà, donc ça, c'est l'ATC numéro 8. Bon, le voilà, il est tout simple. Maintenant, on va faire le numéro 9 qui va être tout simple aussi. Donc là, j'ai pris toujours ma base noire. Un papier comme ça d'un bloc d'action. Je vais coller dessus de toute façon. Parce que... Hop. Voilà. Ensuite, j'ai pris des die cuts. Je les avais achetés chez Craftelier, je crois, l'année dernière, mais je ne sais plus de quel de quelle marque. Donc on va coller le petit bonhomme de neige. On va pas le mettre en 3D parce qu'il va y avoir la 3D avec d'autres choses. Donc on va le coller tout simplement comme ceci, il est trop mignon. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce mot. Ça vient d'un bloc d'action. I'm dreaming of a white Christmas. Que je vais coller pareil sans 3D. Je vais tomber. Comme ça. On va le coller ici. Alors, je voulais remercier tout le monde qui me met des petits commentaires sur mes vidéos. C'est trop gentil. Merci Sylvie qui partage mes vidéos sur sa chaîne, c'est adorable. Et merci Sylvie d'avoir fait ce petit défi qui me donne un peu le goût de scraper. Voilà, ça me fait du bien, un petit peu au moral, de faire des choses. Parce que autrement, honnêtement, je ne fais rien. Je suis assise dans mon canapé toute la journée à rien faire. J'ai le goût de rien. Je ne fais même pas mon ménage. Je range un petit peu la maison, mais même le ménage, alors que je suis hyper maniaque. Voilà. Bref. Donc là, j'ai allumé mon pistolet à colle et je vais venir coller des petites boules blanches comme ça de chez Action pour faire les petites boules de neige. Hop. Or, je sais que mes ATC sont très épais, qui ne rentreront pas dans les pochettes comme on met d'habitude des ATC. Mais c'est pas grave parce que moi, je me fais des petites boîtes. J'en ai pas là. Et je mets mes ATC dans des boîtes, en fait. Je ne les mets pas dans les pochettes. Je les mets dans les pochettes que quand c'est des pocket letters. Et du coup, là, bah, bien sûr, je fais attention à l'épaisseur. Mais là,
Je ne sais pas, attention. Hop. Et voilà. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Je sais pas, moi je trouve pas mal comme ça. Voilà ce que ça donne. Ben écoutez, moi je vais le laisser comme ça. Je l'aime bien comme ça. Donnez-moi votre avis en commentaire. Même si je vous réponds pas de suite, c'est pas que j'ai pas envie. C'est juste que... aussi, c'est ça, j'ai envie de rien. Donc, mais je vous répondrai hein, quand j'irai mieux. Parce que j'espère un jour aller mieux. Donc, voilà. J'ai toujours le courrier d'Amélie qui est là, qui n'est pas encore parti. Il est prêt, mais il devait partir et je l'ai mis dans la boîte aux lettres. Le facteur n'a pas voulu le prendre en même temps que mon colis. Bon, c'est pas grave. En plus, il est passé hier, mon facteur, j'aurais pu lui donner. Je suis bête, mais bon, j'ai pas pensé. Mais de toute façon, comme je vais faire les enveloppes des filles pour la participation au concours, ben, tout partir en même temps, je demanderai à mon fils d'aller me le poster un matin en partant au lycée, voilà. Voilà, mais écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.